Pourquoi on viendrait à Gourin début septembre, tous les ans? Bah en fait, pour entendre les meilleurs sonneurs autour de la grande finale en fait, des concours de couple de sonneurs, catégorie biniou, catégorie bras et aussi duo libre. Le rendez-vous est pris depuis maintenant 65 ans pour célébrer cette grande fête de la musique traditionnelle. Et puis aussi l'orchestre a son plus simple appareil, le biniou et la bombarde. Musique et danse, ce sont deux notions complètement étroitement liées. C'est pour ça qu'on célèbre aussi la finale du championnat de Bretagne de danse individuelle hommes et femmes, et aussi les jeunes bien sûr, parce que la jeunesse ce sont nos danseurs et nos sonneurs de demain. Et en fait il y a tout ce qu'il faut pour faire danser, avec deux sonneurs on peut faire danser 1000 personnes. C'est pour ça qu'on est là tous les ans, pour célébrer ces sonneurs-là et pour les mettre en avant sur un piédestal. Voilà, c'est tout ça qui se passe à Gourin, au château de Tronjoly.